Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui, petite vidéo gameplay let's play sur un jeu que j'ai envie de faire depuis un bon moment. Ça fait un moment qu'il est dans ma liste sur Instant Gaming. Donc c'est pas un jeu d'horreur vu qu'on est sur YouTube. YouTube je l'ai pas encore vraiment... Je suis pas devenue spécialiste en jeu d'horreur sur YouTube, on va dire ça comme ça. Même si je suis pas encore sur Twitch non plus. Mais du coup, sur YouTube, ça sera varié. Et aujourd'hui, on fait la découverte de Kingdom Come Deliverance. Donc, un jeu que je connais pas du tout. Je sais juste que c'est médiéval et simulation de vie, il me semble. Comme j'adore ça, je voulais faire la découverte avec vous. Du coup, on y va. Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'Empire florissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Venceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre. Oula. Ce qui le rendit guère populaire aux yeux du pape. Venceslas l'ivrogne n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allèrent chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il abusa ensuite de la confusion qui s'ensuivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la Bohême avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. Ok. Bon, c'est cool. J'aime bien cette petite... Intro. Par contre, ils te mettent l'intro avant le l'accueil du jeu. C'est original, ça. Alors, nouvelle partie. Mode normal pour commencer, s'il te plaît. War Horse present. Si le jeu est aussi beau que la cinématique. Je suis ébloui là. À deux doigts, ça rattrape Red Dead Redemption, quoi, au niveau du réalisme. Wow. Scalis 1403. Bon, là, ça fait un peu moins réaliste. Mais il est quand même très magnifique. Franchement. Wow. Par contre, je sais pas s'il se joue à la manette ou à la souris. Là, des mines. Ce serait cool qu'on puisse faire notre propre perso quand même. Avec une histoire tout à fait différente. Ça se voit que c'est la guerre parce qu'il y a des feux de partout. Malheureusement. Bien le bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. Oh, le chevalier est magnifique aussi. Ils ont reflété les muscles au niveau des graphismes. Alors, chère Marie, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui.
Et où diable est passé Henri? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Je présume que c'est moi, Henri. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. J'entends. Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratignée, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Oh, j'ai entendu un os craquer là. Ok. Bon, du coup, on est Henri, fils de forgeron. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir? Ok. Personnage, ce sont les deux premiers choix de ce dialogue qui vous vont déterminer les caractéristiques par défaut de votre personnage. Si vous n'en êtes pas satisfait, n'ayez crainte, l'ensemble des caractéristiques peuvent être développées sans aucune restriction. Alors, nous avons bavardé à la taverne. Je suis allée danser. J'étais avec Bianca et je travaillais à la forge. Alors, on peut du coup développer notre éloquence, agilité, vitalité et notre force. Franchement. Oh, je dirais, j'étais avec Bianca. J'étais avec Bianca. On a parlé. Parlé? Par contre, ça va m'énerver. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Non, arrête. Il a la voix de... Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as dans King Quest. Ainsi qu'à cet homme... Perso principal qu'on joue tout le temps. ...qui est arrivé en ville dernièrement. Pourquoi voudrais-je manier une épée? Mathias m'a enseigné le tir à l'arc. J'étais avec Bianca. Qu'est-ce que ça peut faire? Bon, j'adore faire du tir à l'arc perso. Dans tous les jeux, je fais tout le temps archer. Mis à part les Dragon Age où je suis surtout arme à deux mains. Non, c'est que Mathias m'apprenait à me servir d'un arc. De l'archerie? Tu veux devenir braconnier? Tu as une idée du châtiment que tu encours? Et où tu as eu cet arc pour commencer? On n'a pas le droit de faire du tir à l'arc? D'aller braconner, c'est juste un passe-temps. De Jésus. En tout cas, pour l'amour de Dieu, ne fais pas de bêtises. Promis? Promis. Ok. Mes amis sont-ils venus? J'ai faim, papa est fâché contre moi. As-tu besoin d'aide? Tu veux que je t'aide, maman? Ah, c'est gentil de ta part, mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. Papa est fâché que je me sois levé tard. On peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzig. Il ne se fait plus très jeune. Et ses vieilles articulations l'élancent encore. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais, rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Franchement, j'adore. Ses articulations lui font mal. Je suis déjà fan. Du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Je
Je suis fan parce que les dialogues, les sous-titres des dialogues sont en police d'écriture du jeu. C'est la première. Enfin, c'est rarement le cas dans les jeux. Normalement, c'est la police de base. Ok. On peut jouer comme ça. Ok, je peux me battre. Oh je peux m'asseoir. Pour manger de la nourriture, prenez-la dans l'onglet nourriture de l'inventaire. Choisissez ce que vous désirez manger. Mangez-le en maintenant E. J'ai un inventaire, moi. Oula! Alors ça, c'est moi. J'ai les clés de la porte, clés des coffres. Écharpe rouge, etc. Du coup, est-ce que j'ai de la nourriture? J'ai pas de nourriture. Coco, on va pas manger. Hein. Ah, attends. Les trucs... Non, c'était s'asseoir. Je peux pas manger. J'ai pas de nourriture. Manger dans la marmite. Voilà. On va récupérer le fromage. Comme ça, on aura de la nourriture dans l'inventaire. Je sais pas si ça sert. Je sais pas du tout ce que je fais en fait. Et on va aller aider papa. Parce que papa, il m'attend en fait dehors. Sinon, je vais me faire engueuler. Papa, j'arrive! Oh, il y a encore de la nourriture là. Je fais que manger. Allez voir papa. Papa il bat. Bah franchement le jeu, il est extraordinaire. Il est magnifique. Papa. Viens là, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi papa. Hey, c'est déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, oh là là. Tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre. J'aime bien ce papa, moi. Je sais pas pourquoi, mais... Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, Phil, le travail n'attend pas. Est-ce que je peux y aller à cheval? Parce que j'ai vu qu'il y avait un cheval, là, qui traînait. Ah ben, il est plus là, le cheval. Alors, il faut que je fasse. Acheter du charbon. Récupérer la dette de Kunesh. Récupérer la garde... La garde de croix ou la croix aux gardes? Bon, je sais pas. Il y a un cheval, là. Je peux pas récupérer le cheval. Bonjour. Et on va aller voir les chevaux. Je veux juste voir la texture. Oh wow, ils ont fait des muscles et tout. Cheval. Wow. Regardez-moi cette beauté. Non, mais franchement... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans votre cucu. Franchement, regardez-moi ce réalisme. Ils sont encore plus réalistes que dans Red Dead. C'est ouf. Je suis en admiration face au jeu, en fait. Bonjour. Alors. J'ai l'impression que mon perso, il court. En fait, il marche. Je suis en admiration totale. Bonjour. Exactement. Alors, lui, il vend le charbon, donc c'est ici qu'il va falloir que j'aille après. Ok, mais avant, il faut aller chercher la dette. Bonjour. Je peux jouer au dé? Hé, Brindille, ça dé de venir apprendre deux ou trois trucs? Non, pas trop. Il y a quoi? Ça, c'est un marchand? Marchand. Forgeron villageois. Oh.
Franchement, je sais même plus quoi dire là. Regardez. Ah, il y a une cinématique. Ce qui est magnifique, c'est que les cinématiques sont aussi belles que le jeu. Ce qu'il devait faire, il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner. Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg. Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu te garde, Henri. Toi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il? Le germain déraille. Quoi? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est Avignon, ça existait déjà? Le roi Venceslas est le roi de Bohème. Ça coûtait de chez moi, donc. De son côté, je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Mon régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohème du Sud soutient Sigismond. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismond pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le germain est un idiot. Mais qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou? Tu veux finir au pilori? N'écoute pas, Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais, celui juste à côté de sa maison, fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Ah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, tu nous suis? Al? Je m'appelle Henri. Comptez sur moi, je refuse. Non, on refuse. Papa, il a dit qu'on doit faire les courses, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais je n'ai pas le temps. Tu me déçois. Bon, on va faire sans toi. Allez les gars, on est parti. Franchement, Al, comment tu peux louper une si belle occasion? Désolé les gars. Papa, il a dit que je devais faire des trucs, alors on va faire des trucs. Parce que papa, il a dit. Crochetage. Oh punaise, on peut faire du crochetage. Oh là là. Ce jeu me fascine encore plus qu'avant. Avel le charbonnier. Ok. Germain. Alex. Balex. Alors, juste... Nanana. Recouvrez la dette de Kenesh. C'est C. Alors le C il est où? Le C il est baba. Faut que j'aille chercher la dette avant. J'allais chercher la dette. Kenesh apparemment il est par là-bas. J'adore la musique. C'est lui, Kenesh? Bonjour. Bonjour à vous, Kenesh. Tu veux quoi? Déjà, ça commence bien. Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui. Dégage. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste.
Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou là, je vais me servir à quelque chose. Oula, persuasion. Il vous faudra parfois faire preuve de persuasion pour atteindre votre but. Lorsque vous engagez la conversation avec quelqu'un, vous pouvez le plus souvent choisir le type d'impression. Donc, première impression, vous pouvez faire usage de vos talents d'éloquence. Cela dépend en grande partie de votre réputation vis-à-vis de votre interlocuteur. Deuxième impression, ça me paraît un peu bizarre quand même. Au Moyen-Âge, le statut social étant d'une importance capitale, la qualité de votre tenue vestimentaire, votre élégance, ainsi que votre réputation peuvent influencer la manière dont les gens vous traitent. Troisième, si vous avez l'air dangereux, les gens auront peur de vous contrarier et seront aussi plus enclins à vous confier des tâches périlleuses. Et après, l'argent. Mais l'argent, ça va pas trop être dans ce cas-là. Hein. De toute façon. Ok. Donc là, attendez-vous à ce que mon père vous rende visite. Une dette, ça se rembourse, payé, espèce de pochard. Hmm. Bon, j'ai plus de force que d'éloquence, a priori. Donc, utilisez la force. J'ai cru entendre des gages, mais j'ai forcément mal compris. Vous n'êtes quand même pas idiot au point de voler de l'argent, ne pas rembourser vos dettes et tenter de m'intimider. Fils à putain, comment t'oses me parler ainsi? Ton voleur de père t'a pas appris les bonnes manières, hein? Je vais te les inculquer, moi. Oula, je vais me battre. Comment on se bat? Alors, crochet droit, crochet gauche. Point lent et fort dans la tête, point en pleine figure. Alors, F, coup de pied. Avec table, on peut verrouiller. A pour bloquer. Vos blessures, adversaire, votre endurance et votre santé. Ok, d'accord. Oh putain, c'est compliqué. Oh, il m'a bloqué. Ok. Merde. Hé. On peut pas donner des coups de pied en même temps. Ah, ça demande trop d'endurance, mince. Oula, je suis en train d'agoniser. Comment il fait pour courir jusqu'à moi? Oula. Oh, j'ai des fractures de partout. Oh, punaise. Oh, punaise. C'est un peu compliqué tout ça. Et comment... moi, je fais aucun dégât ou ça se passe comment, là? Et comment tu peux le récupérer, en fait? Oh là. Wouah, j'ai pas du tout. J'ai l'impression que j'ai fait nada en dégâts sur lui. Loupé. Je crois que ça... Mais comment il me chope en fait? Oula, je crois qu'il y a des trucs que j'ai loupé. Bah je sais pas, je comprends pas. J'arrive pas à bloquer. Wouah, punaise, on va se calmer là. Je comprends rien. Ouah. Maman, elle va pas être contente hein, quand je vais rentrer. Allez voir mère pour vous faire soigner. Et ton vieux peut aussi aller se faire foutre. Maman, faut que tu me soignes. Maman, maman, où es-tu, maman? Oh là là.
Oh là, l'échelle est grande quand même. Maman, je suis dans un mauvais état, il faut que tu me soignes. Maman, ah. Maman, je suis blessée. Je n'arrête pas de saigner. Oh, allons, cesse de pleurnicher comme un bébé et montre-moi. Elle me regarde même pas dans les yeux en fait. Voilà, c'est réparé. Il faudrait que tu elle m'a réparé. Maman m'a réparé. Attention. Maman, tu m'as réparé. Oh, je peux courir. Oui. Comment on fait pour courir, en fait? Ah, ok, c'est parce que j'étais sur mage. Ok, d'accord. Ouais, maman, elle m'a réparé. Bah, du coup, il faut quand même que j'aille chercher les sous. Je me demande, peut-être qu'il faut que j'aille récupérer le truc, là, de la croix. Alors attendez, le truc de la croix c'est qui? Acheter, récupérer des aux gardes. Le dé. Faut que j'aille chercher le dé. Parce que si je récupère la croix, peut-être que je récupère de l'influence aussi. Alors le dé il est où en fait? Ah mais le dé il est en haut. Bah oui, le château il est dedans. Que je suis bête. Ah bah c'est eux les gardes. Bonjour messieurs. C'est lui. Ah non c'est... Il est par là. Il est où le garde? Il doit être... Non, si je parle à eux. Bonjour. Je vous garde. Putain, je suis plein de sang. Comment vas-tu? Ce salopard de Kenneth donne... Oh! Je viens de la part de mon père. Nous ils peuvent interagir avec le monsieur qui doit des sous. La garde en croix et le pommeau. Mon père les a fait graver à sa son. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Oh, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Magnifique. Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent, on se voit plus tard à la taverne. Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Ok, j'ai gagné un truc. Du coup, est-ce que je peux encore leur parler? Bien le bonjour, qu'y a-t-il pour votre service? Bonjour. Ah punaise, il me parle pas pareil. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous garde. De même, quoi de neuf? Ah, peut-être. Ah, ça pourrait aller mieux. Kunesh nous doit de l'argent et ne veut pas rembourser. Cet ivrogne, ça va être compliqué de lui soutirer des sous. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas, mais je sens que ça ne va pas se dérouler sans accroc. Pour sûr. Kunesh ne répond qu'à l'appel du fouet. Prends bien garde à tes dents. Ok, d'accord. Bon, doit... Du coup, les soldats ne peuvent rien faire pour moi. C'est cool, hein? Je suis obligée de récupérer les sous avant d'aller chercher le charbon, quoi. C'est complexe, là. Est-ce que je peux lui parler, lui? Bonjour. Non, il s'en fout. Une raclée, ça t'a pas suffi? Mais vous devez toujours à mon père. Je te donnerai rien. Va donc lui répéter ça. Lève ne serait-ce que le petit doigt sur moi et je te fais jeter en prison. Mec. Une raclée, ça t'a pas suffi? Mais vous devez toujours à mon père. Je te donnerai... Lève ne...
Et mon père, en fait, le souci, c'est qu'il veut pas que... Il veut pas m'entendre parler, en fait. J'ai l'impression. Ça va être compliqué, tout. Tout cela, ça va être très, très compliqué. Papa! Papa, il faut que je parle. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? Non. Je dois aller à mon cours de combat. Quand j'ai demandé à Kounesh de payer, il a préféré se battre. Quelle ordure. Mais tu ne m'as pas l'air amoché. Tu as pris le dessus? Je vais bien. Mais il ne m'a pas rendu l'argent. Bah, peu importe. J'irai lui régler son compte ce soir. Je n'ai pas de temps à perdre avec lui maintenant. Imaginons que je n'aille pas parler à Kounesh, mais que j'aille seulement récupérer ses objets. Le voler, tu veux dire? On ne peut pas voler quelque chose qui nous appartient. Et il ne peut pas prétendre s'être fait détrousser. Pas faux. Mais je ne crois pas que ta mère le verrait de cet œil-là. Je suis allé voler la hache. Il nous doit une hache. Je crois une hache, une épée et des clous, non, c'est ça. Je lui voulais la hache. Je m'en fous, elle est pas lui. Il a pas payé. Comme c'est dommage. Merde, il utilise la hache. On lui avait donné quoi en fait? Le marteau et les clous. Ok. Ah, ici, il y a du bois. La hache, elle est là. Je suis tout propre, normalement, là. Des orties. Oh, on peut cueillir des orties. Oh, mais c'est trop bien. Oh, franchement, c'est un vrai simulation. Une vraie simulation. Je pensais pas que ça allait être autant... Enfin, comme ça, quoi. C'est un peu le bordel chez monsieur, là. Coffre fermé à clé. J'aurais besoin d'un crochet. Peut-être que Fritz en a un sur lui. Moi, il me faut le marteau. Oh, les bubules! Pas le marteau, là, qui traîne. Qu'est-ce que vous manigancez? Au voleur! C'était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? Pas encore, je m'en occupe. Combien de temps encore ça va prendre? Non, bien sûr. Ah, ok, il faut que je me dépêche en plus. Donc on va revendre la hache. Thank you.
Arrêtez-vous. Lâchez les armes. Vous avez porté atteinte à la loi. Comment ça, j'ai porté atteinte à la loi? On vous a vu chaparder. Vous n'allez pas l'oublier de sitôt, parce que vous allez avoir besoin d'une montagne d'argent pour réparer vos erreurs. Toudou, je suis au service du seigneur de Ratei. Ne me cherchez pas trop. Vous enfuir. Ce n'est sûrement pas la manière adaptée de traiter l'un des hommes de main du seigneur Hadzig. Je n'ose imaginer comment il va réagir quand il apprendra la nouvelle. Et vous vous croyez au-dessus des lois pour autant? Vous vous méprenez. Mais pourquoi tu focus? Mais focus pas! Oh, ça fait comme si j'étais dans un film, c'est trop bizarre! Merde! Laisse-moi! On vous a vu en train de voler. Vous n'allez pas l'oublier de sitôt. Mais je n'ai pas volé! C'était à moi! Échec. Écoutez, je vais vous dire la vérité, mais ça doit rester entre nous. Le seigneur de Ratem m'envoie en mission. Oh, vous me brisez. Je ne peux pas payer cette somme. Si vous ne payez pas, vous allez en prison. La prison? D'accord, allons-y et finissons-en vite. Un logement qui vous sciera à merveille. Allez, avancez. Et donnez-moi tous les trucs que vous avez volés. Mais je les ai pas volés, c'est à moi. Moi, je suis déjà en prison. Ça fait mal. La prochaine fois, tu réfléchiras à deux fois avant de voler. Qu'est-ce qui se passe? Hey! Je suis là! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi sortir! Me dis heureusement que je suis allé en prison là! Pour l'amour du ciel, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Il y a carrément le feu? Oula, oula! Oula, oulala. Ouais. Fin de la partie, vous êtes mort en prison. Ça commence bien. D'accord. Ok, je sais pas comment je dois le prendre, mais d'accord. Bon, j'espère que cet épisode vous plaira. Du coup, on a découvert une mort du jeu. Et le jeu en lui-même. Je referai une vidéo dessus, vous en faites pas. Dès demain, je tournerai une deuxième vidéo dessus. Promis. Franchement, le jeu est épique quand même. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve sur Twitch tous les week-ends. Sur des jeux d'horreur, deux jeux d'horreur et un jeu autre par mois. Plus un live de jeux de société avec Ténébros, si on a le temps. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire des noms de jeux que vous voulez voir. Bientôt arrivera la nouvelle chaîne Anaïus React. C'est en cours, je vous promets sur ma vie. J'étais en train de faire la vidéo, mais j'ai eu des petits soucis techniques, plus le boulot qui m'a rattrapé. Donc du coup, ça arrive, vous en faites pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir regardé.